Ok, bien, salut tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, pour ma part, je vais vraiment super bien. Juste avant de commencer la vidéo, j'aimerais tout simplement vous présenter un magnifique produit qui m'a tout simplement été envoyé par Ok. Du coup, vraiment, je le remercie vraiment. Du coup, on va tout simplement déballer le produit ensemble. Du coup, comme vous l'aurez remarqué, tout simplement, un baf Bluetooth. Voilà, on le déballe ensemble. Voilà, du coup, le baf se présente comme ça. Du coup, il est vraiment super bien emballé avec un petit plastique comme ça. Du coup, on le sort de la boîte. Voilà. Ici, on le dépose de côté. On va voir ce qu'on a encore dans la boîte. Et voilà, on retire ça comme ça. Du coup, on a quoi dans la boîte? On a simplement un petit manuel qui nous explique comment il fonctionne le BAF. Voilà. Ici, on a simplement un petit câble pour charger le BAF. Ici, on a tout simplement un. Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, tout simplement pour retirer, pour brancher un. Son petit chargeur là. Ici, on a tout simplement un petit autocollant avec comme une petite serrure comme ça. Vraiment de OK. Du coup, voilà, c'est vraiment assez stylé. Ici, on a tout simplement un petit câble qui nous va tout simplement nous permettre de brancher dans le BAF. Du coup, on va tout simplement mettre ça de côté. On va s'intéresser au BAF. On ouvre le BAF. Le plastique, je l'ai déjà ouvert. Voilà. Le BAF il est certifié IP68, il résiste à l'eau et tout, il n'y a vraiment pas de problème. Voilà, on retire ça comme ça, on met ça de côté. Du coup, le BAF se présente comme ça, c'est écrit OK ici. Du coup, il est vraiment super bien protégé, il résiste à l'eau et tout, il n'y a vraiment pas de problème. En plus, vous avez tout simplement une grande autonomie. Du coup, ici, on a tout simplement les petits boutons, ici, c'est pour diminuer le son, augmenter le son. C'est pour le téléphone, ici, c'est pour allumer. Et le M, je sais pas encore c'est pourquoi. Alors ici on a simplement un petit truc qui va nous permettre simplement de tirer le BAF avec un petit fil je pense. De l'autre côté on a simplement ici en fait simplement pour charger le BAF. Du coup vous avez simplement la petite épingle qui est fournie avec. On va la prendre. Voilà. Du coup je vais simplement l'ouvrir. On se Voilà, du coup là je viens simplement de l'ouvrir. Ici on a simplement le petit chargeur. Ici c'est simplement pour brancher. Et voilà, du coup on va simplement le refermer. Voilà. Il est vraiment super solide. Voilà, on a pris, après il se revoit tout seul. On va tout simplement tester la qualité sonore du BAF. Pour le mode BAF, on appuie comme ça ici. Quelques petites secondes. Et normalement, il y a tout simplement une petite lumière bleue. Avec une petite musique. On va tout simplement tester. Du coup, je vais prendre mon iPad. Je vais voir tout simplement le nom du Bluetooth du BAF s'appelle OK SESK M12. Du coup, il est tout simplement déjà connecté. La connexion se fait vraiment super rapidement. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement tester une petite musique no copyright sur YouTube pour voir la qualité du BAF. Il est vraiment super beau, super élégant, voilà. En plus, il est vraiment super solide. On va tout simplement tester une petite musique sur YouTube. Une petite musique no copyright. Voilà, exemple. Je sais pas, moi, on va faire quoi. Exemple, on va faire cette là. Voilà. Là, on va tout simplement monter le son pour voir. Et voilà, on va tout simplement faire pause. Du coup voilà, j'espère que cette petite intro vous aura plu. Le BAF il est vraiment super beau, en plus sa qualité elle est vraiment magnifique. Voilà, du coup si vous voulez simplement acheter ce BAF là, le lien se trouvera dans la description. Et voilà, j'espère en tout cas que cette petite intro vous aura fait plaisir. Voilà, un petit partenariat avec OK, ça fait super plaisir. Le BAF se trouvera tout simplement dans la description avec un lien Amazon. Je vous invite fortement à l'acheter, en plus pour le prix il est vraiment super pas mal. Moi j'ai là-dedans en plus, voilà, petit OK ici. Vraiment encore grand merci à eux. C'était Fintex, moi je dis tout simplement bonne vidéo à vous. Allez, bye. Tu as 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube. Si toi aussi tu aimerais avoir tous tes skins sur ton compte Fortnite. Sinon tu vas perdre tous tes skins, alors abonne-toi. Ok, comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés. Si toi aussi tu aimerais avoir des cadeaux gratuitement, pour cela tu devras juste t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la cloche de notification. Après cela, tu devras juste commenter Tony DPSN. Et le plus important, c'est d'utiliser mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, vraiment spam Tony DPSN dans l'espace commentaire. Bonne vidéo.
toi, si toi aussi tu aimerais avoir des cartes PSN, des cartes Xbox, des cartes Steam, Amazon, tout ça seulement en jouant à ton jeu favori Fortnite, bah c'est possible grâce à MetaYou. Les liens dans la description. Bonne vidéo. Tout le monde, c'est Fintex, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour un pas, je vais vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. On n'oublie surtout pas essayer d'atteindre les 200 likes sur cette vidéo, cela me fait vraiment super plaisir. Le plus important, c'est de rentrer mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, vraiment spammer un maximum mon code créateur dans la boutique Fortnite. Du coup, tout simplement, on va tout simplement obtenir le skin Frisson qui vient juste de sortir dans la boutique. Du coup, on va obtenir tout simplement tous les skins de la boutique gratuitement. Mais avant cela, il faut tout simplement entrer mon code créateur dans la boutique Fortnite et vous êtes tout simplement rentré les codes NS qui sont dans la description. Vous n'êtes pas obligé de rentrer le code NS, mais il y a plus de chances avec les codes NS. Une fois fait ça, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement ouvrir un des cadeaux. Vous allez simplement aller dans l'arène des cadeaux et là, vous allez simplement ressortir. Du coup, une fois arrivé au lobby, ce que vous allez faire, vous allez simplement choisir votre mode de jeu. Une fois choisi le mode de jeu, vous allez simplement cliquer sur le mode de Battle Royale, c'est vraiment très important. Une fois fait cela, vous allez simplement attendre le chargement du mode de Battle Royale. Après fait ça, vous allez simplement faire Start et vous allez simplement faire un retour. Dans Faire un retour, vous allez cocher la case Bug et là, vous allez simplement écrire la même chose que moi. C'est vraiment très important d'écrire les numéros qui sont aussi dans le corps du message. Après avoir fait cela, vous allez simplement refaire un retour et là, vous allez simplement rien écrire. Après là, vous allez simplement mettre le mode créatif et là, vous allez simplement lancer une partie solo. C'est vraiment très important, c'est pour la manipulation du glitch, c'est pour que le glitch fonctionne super bien. Une fois le chargement terminé, ce que vous allez faire, vous allez simplement monter sur le deuxième escalier. Vous allez attendre que votre skin apparaisse, c'est vraiment très important. Après là, vous allez simplement aller à le même endroit que moi. Et là, vous allez simplement voir un lama en or. Vous allez simplement vous coller à lui, du coup, comme moi dans la vidéo. Après là, vous allez simplement faire un retour. Du coup, moi, je bug avec signal un joueur. Vous allez faire un retour. Dans faire un retour, vous allez cocher contenu, bug, contenu. Après, là, vous allez simplement rester sur bug. Et là, vous allez écrire exactement la même chose que moi. Là, vous allez envoyer votre message, c'est qu'il meurt. Après avoir fait cela, vous allez simplement courir. Et là, vous allez quitter le mode créatif. C'est vraiment très important de faire cette manipulation. Là, c'est simplement permettre de réaliser super bien le glitch. Arrivé dans le lobby, vous allez simplement aller dans la boutique d'objets. Dans la boutique d'objets, là, vous allez faire soutenir un créateur. Là, vous allez rentrer mon code créateur à moi. Après, là, vous allez recliquer sur le skin frisson. Là, vous allez vous rendre au lobby. Là, vous allez simplement choisir le mode de jeu. Une fois fait ça, vous allez attendre le chargement du mode de choisir le mode de jeu. Après, fait ça, vous allez simplement cliquer sur le mode de boîte royale. Et normalement, si le glitch a bien fonctionné, vous allez obtenir toute la boutique gratuitement. J'espère que ça a marché. Du coup, on va dans la boutique d'objets. Et on espère que ça a marché. Et voilà les potes, vous pouvez voir qu'on a obtenu tous les skins gratuitement sur Fortnite Battle Royale. J'espère en tout cas que ce glitch vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Le plus important, c'est de rentrer mon code créateur qui se trouve en bas à gauche de votre écran. C'était Fintex, moi je vous dis à bonne game tout le monde. Allez, bye. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche. Mets ton pub au commentaire, yeah, yeah. Abonne-toi, lâche un like, active la notif, man, active la petite cloche, mets ton pub au commentaire.